pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le psaume 24 dit ceci, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. Que quelqu'un dise, il est puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Et qui est donc ce roi de gloire? Il est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes contents d'être ensemble ce soir. Alléluia. C'est un jour de joie, de célébration, de réjouissance. Amen. Nous fêtons amen, l'anniversaire de cette église. Amen. Et tout, à tout cela est connecté beaucoup d'autres choses, beaucoup de victoires, beaucoup de succès, beaucoup de vies changées, transformées par la main du Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Moi, j'ai été béni par ce lieu. Amen. Certainement, certains de vous avez connu le Seigneur au travers de ce lieu. Nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre ensemble avec ce lieu ce soir. Et nous voulons tous ensemble remercier Dieu pour ce qu'il a pu faire dans les vies. Amen. Nous ne voulons pas juste nous réjouir pour dire de nous réjouir, mais nous voulons célébrer la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans vos vies, laissez-moi voir vos mains. Amen. Amen. Alors je vous demanderai de ne pas être timide. De ne pas rester mignon. Alléluia. Déchaînez-vous ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous nous donner les mains les uns aux autres? Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu déclare aux portes éternel, d'élever leur manteau et de s'ouvrir pour que le roi de gloire fasse son entrée. Des fois, il faut déclarer, il faut ordonner aux portes invisibles. Il y a des portes invisibles ce soir. Il y a des portes qui donnent accès à la présence, à la gloire de Dieu. Ce sont les portes des cieux qui doivent s'ouvrir. Alléluia. Et rien ne se passe tant que notre bouche ne s'ouvre pas pour proclamer dans l'atmosphère. Amen. Et je vais vous encourager ce soir, alors que nous nous tenons les mains ensemble, à commencer à ordonner aux portes des cieux de s'ouvrir pour que le roi de gloire entre dans ce lieu. Que sa présence magnifique sature cette atmosphère. Que sa joie, sa présence, son amour, sa paix remplissent ce lieu, sa liberté. Alléluia. Amen. Si je peux avoir des gens audacieux pour ouvrir leur bouche, et déclarer aux portes, 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 élevez vos linteaux, portes, louez-vous ce soir, que le roi de gloire fasse son entrée, alléluia, hey, alléluia, hey, appelez dans les mains pour le Seigneur, appelez dans les mains pour le Seigneur, bienvenue, bienvenue, roi de gloire. Bienvenue, Seigneur.
soyons abattus. Ça vous est déjà arrivé? Alléluia. Est-ce que j'ai des gens, des terriens ici? Alléluia. Des gens qui ne sont pas encore arrivés aux cieux. Est-ce que j'ai des mains? Merci Seigneur, je ne suis pas seul encore. Il arrive des fois que nous soyons abattus. Bien que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes abattus. Bien que nous ayons été choisis et ayant reçu de grandes promesses, nous sommes quand même abattus à cause des circonstances de la vie. Amen. Alléluia. En tout cas, j'ai comme consolation David qui écrit dans son psaume, mon âme, pourquoi t'as battu? Au-dedans de toi, il était abattu. Il dit, pourquoi t'as battu, oh mon âme? Amen. Mais David ne se fiait pas à la fatalité des choses. Il ne se fiait pas à ses émotions, à ses sentiments. Il savait que son âme devait obéir à l'ordre que donnait sa parole. La parole que l'Esprit lui disait de prononcer. Amen. Et des fois, il faut apprendre à ordonner à ton âme. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, loue le Seigneur. Je le bénirai. Lisez à ses émotions. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais louer mon Seigneur. Alléluia. Au-dedans de toi, tu as un esprit victorieux. Oui, ce n'est pas un esprit de défaite que tu as reçu, mais un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. C'est ça que tu as reçu. Amen. Et si tu écoutes la voix de l'Esprit, il te dit, parle à cette âme. Parle à ton émotion, parle à ton sentiment, à ton abattement, à ta tristesse. Et ordonne à ton âme de se réjouir en l'Éternel. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce soir à parler à ton âme dedans de toi. Et lui chante mon âme. Bénis le Seigneur, loue-le, adore-le, lève tes mains, pousse sa cri de joie. Alléluia, gloire à Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il est puissant, il est sûr, il règne en toi, en majesté. Alléluia, 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 alléluia. Oh,
Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne, Père éternel. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Alléluia. Que ta volonté, Seigneur, s'établisse, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur. Alléluia. Conduis tes enfants, Seigneur. Alléluia. Vous connaissez ce chant, ce moment, chantez-le avec nous. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te Mon cœur veut t'adorer.
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Père est présent dans ce lieu avec son amour. Alléluia. 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 Le Seigneur est digne de toute joie. Alléluia. J'ai entendu cette phrase qui me marquera à jamais. Il y a un pasteur qui a dit: ce que vous passez, il y a quelqu'un d'autre qui est passé la même chose que vous, mais cette personne s'est suicidée. Ce que vous vivez, le problème que vous aviez, il y a quelqu'un d'autre qui est passé dans le même circonstance que vous, mais la personne n'a pas survécu. Mais la grâce de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nous. Chaque fois qu'on nous passe par ce genre de problème, lui seul est digne. Alléluia. Lui seul est digne. Il nous accompagne dans tout ce que nous passons. Et c'est pour ça que ce soir nous voulons chanter: toi seul est digne dans notre vie, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Pour ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Pour toutes ces personnes dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Et donc, nous voir ensemble. Remercions le Seigneur. Ta grandeur,
Alléluia. Bénissez-le avec vos propres mots. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour cette douce présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta méditation. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute l'honneur. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour te louer et t'adorer. Nous sommes venus avec un cœur humble devant toi dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Manifeste ton trône de grâce sur nous, Seigneur. Enlève tout fardeau, toute tristesse, toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis venu dans ce lieu, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur. Je suis venu dans ce lieu. Je suis
Yeah.
parce que elle aimait vos pas, Seigneur. Alléluia. Car pour sa présence, nous retrouvons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous retrouvons l'amour, la joie, la paix. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin d'amour, hein, sache que c'est de la présence du Seigneur que tu peux le retrouver. Alléluia. Si tu as besoin de quelqu'un te libère, hein, sache que le Seigneur peut te libérer. Hein. Alléluia, ne ferme pas ton cœur, hein, mais reste peur à lui. Hein. Ouvre ton cœur vers le Seigneur et laisse-le entrer en toi, laisse-le agir en toi. Alléluia, tu vas venir ici en bas. Alléluia, chacun de vous dans ce lieu, tu vas venir ici en bas. Alléluia, le Seigneur a quelque chose pour chacun de vous dans ce lieu. Il suffit juste d'être comme un enfant. Hein. Oh,
acclamons les mains pour le roi des rois ce soir. Good time.
Alléluia. Amen. Amen. Réjouissons-nous encore ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce sont de longues années. Il n'y a pas beaucoup de gens reconnaissants, j'ai l'impression ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 21 longues années. Ce n'est pas sans combat. Ce n'est pas sans vallée, ce n'est pas sans montagne, ce n'est pas sans découragement. Oh, alléluia! Et vous savez quoi? Nous ne sommes pas les seuls à avoir expérimenté cela. Non. Dès les premiers temps, les premiers chrétiens, les croyants, ont vécu ces choses. Et ils ont supporté. Et ils nous ont laissé des témoignages encourageants. Voici ce que je lis ici dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il nous a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance
soit attribué à Dieu et non pas à nous. Oui, nous sommes fragiles. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous nous décourageons. Mais c'est fait exprès. Dieu t'a choisi et il a voulu que tu sois comme tu es. Oui, oui. Avec tes faiblesses, avec tes forces, avec tes défauts et tes capacités. Oui, il a tout fait exprès. Cesse de te regarder dans le miroir en disant « Oh, mais je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je n'ai pas assez ceci dans ma vie. » Non, Dieu l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et c'est ça qui te fait tenir toutes ces longues années. C'est ça qui fait tenir ce ministère depuis toutes ces longues années. Malgré les hauts et les bas, nous sommes encore là. Oh oui, nous sommes encore là. Nous sommes un cauchemar pour le diable. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés, nous sommes comprimés. Opprimés, déprimés, tous les primés. Nous sommes dans la... Ah non, je n'ai pas fini. Pardon. Parce que nous sommes pressés, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Ouais. Il nous encourage encore. Il dit, nous sommes dans la détresse. Quelqu'un connaît la détresse? Écoutez ce qu'il dit. Mais nous ne sommes pas abandonnés. Ah, alléluia, quelle ténacité. Alléluia. Ah, nous sommes abattus, mais non perdus. Alléluia. 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 Des fois, on a l'air perdu pour un peu de temps. Alléluia, mais Dieu a un plan pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a un plan. Ne me regarde pas, ne crois pas que je serai toujours ce que je suis maintenant. Ce que je suis n'est pas en... ce que je devrais être n'est pas encore apparu. Je ne suis que la petite version de moi-même. Bientôt tu vas voir la grande version de moi-même. Je prêche à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. C'est pas une bonne idée la mort. C'est pas encourageant. Ce n'est pas du tout encourageant, ça fait peur. Il a parlé de l'ombre de la vallée de la mort. Et il parle déjà de peur. Alors qu'est-ce que la mort? Mais voici qu'il dit, c'est afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Église, peu importe ce par quoi nous passons, nous sommes dans l'équipe vainqueur. Dieu a fixé notre victoire avant notre commencement. Alléluia. La destination est assurée. Nous allons régner avec lui pour l'éternité. Son règne viendra. Son royaume viendra. Et nous allons régner. Alors continuez à le mettre. Continuez à presser. Continuez à pousser.
malmené, fatigué, déprimé et toutes sortes de choses. Dieu merci, nous avons ici des gens qui sont maintenant rechargés. Je peux sentir que les batteries sont rechargées. Si la batterie n'est pas encore rechargée ce soir, je t'invite à venir ici à l'autel. Nous allons imposer les mains et nous allons communiquer la puissance qui est en nous. Nous allons invoquer le nom du Seigneur sur ta vie et le Seigneur lui-même te relèvera. Alléluia, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur et tu as besoin de faire une expérience avec lui. Et tu es ici avec tes soucis, tes problèmes et tu te demandes est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi. La réponse est oui. S'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Dieu ne fait exception de personne. Alors ce soir, je t'invite, viens devant, n'aie pas peur. Ne doute pas, viens seulement par la foi. Que tu connaisses le Seigneur ou pas, approche-toi. Et nous allons te communiquer la joie, l'amour et la force du Seigneur par la prière. On y va. Alléluia. L'autel est ouvert. Ce soir. Alléluia. Oui, Seigneur.